Hey, tu m'étonnes que Téléfoot ils font faillite, oh là. Avec des matchs de merde comme ça, frère. Ennuyant, mourir, oh là les gars. Hey, tu m'étonnes que Téléfoot ils font faillite, oh là. Avec des matchs de merde comme ça, frère. Ennuyant, mourir, oh là les gars. Hey, tu m'étonnes que Téléfoot ils font faillite. Je comprends mieux maintenant pourquoi Téléfoot a fait faillite, les gars. Oh là, t'es obligé de faire faillite avec des matchs comme OM Lens, oh là. Ennuyance, c'est pas OM Lens, c'est ennuyance. Mais qui va racheter les droits télé, les gars? La Ligue 1 a jusqu'au 5 février pour se faire racheter. Mais voilà, elle vaut 10 euros, les droits télé en Ligue 1. 10 euros, ça vaut. Voilà, faut les mettre à 18h, là, sur Gulli, faut les mettre. Arrêtez, les gars. Personne va racheter les droits télé, les gars. C'est trop cher pour ce que c'est. Et c'est la vérité. Voilà que c'est la vérité, frère. Et là, on a un derby, frère. On joue le titre, on joue le podium. Frère, nul! Nul! Défensivement nul, techniquement nul, offensivement nul, audiovisuellement nul, nul. Même pas tenu un jour l'écran incurvé à cause de ces vieilles. Oh la bande de vieilles que vous êtes. Oh la... C'était bonne, je m'abonne. C'était pas bonne, je me désabonne. C'est simple, je vois ni. Bip. Bip, chouin, chouin, chouin. Bah les amis, sans voir y'a qui dedans, c'est sûr que c'est une chouin qui est pas vierge, qui écoute Yaya Kamura avec un gros chewing-gum à la bouche. La vie. Bah les amis. Nouvelle vie qui commence, les gars. Incroyable, les gars. Incroyable. On me dit, ouais, Momo, tu fais un lissage brésilien. Ben ouais, logique. Je vais pas faire un lissage algérien, les gars. Merci, HLC, voilà. Merci. Voilà, magnifique, les gars. Magnifique. Mon maître Jenny. Regardez mes cheveux, ils volent et tout, voilà. Vive le vent d'Inès. Voilà, je suis trop beau, les gars. Il y en a un qui va baiser. Ah, sérieusement, les gars. Vous avez déjà vu un mec aussi beau gosse? Voilà, moi, j'ai jamais vu, moi. Voilà, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est... Eh, dans la vie, il y a deux catégories, les gars. Voilà. T'as ceux qui se font plaquer et t'as ceux qui font les plaques. Chacun son truc. Allô? Allô? Patron? Ouais. T'es viré. T'es viré, bouffon. Eh, les amis, je vous ai dit quoi? Tu veux faire des billets? Joue la NBA, les gars. La daronne en Gucci, la buraliste, chez Tachi, les amis. La vie de ma mère. Incroyable, la NBA en ce moment. On fait des gros billets avec logiciel bête. La buraliste grosse folle. Paye! Paye, paye, paye! Bien sûr, les gars, il y a deux jours, je vous ai dit que logiciel bête, il était sur une putain de série. Et quand je vous parle de série, je vous parle pas de Netflix, les gars. C'est un tueur en série. Je vous ai dit, sur 24 paris, il en a fait passer 24. 24 sur 24, les gars. Et hier, il a encore donné un pari NBA. La série continue 25 sur 25. Comment il fait? Moi, sur 25 paris, j'en perds 28. Oula! J'ai jamais vu ça, 25 sur 25. Il n'y a que Justine qui tape ça au bac, 20 sur 20. 21 sur 20, cette grosse folle. Hey, hier, c'était la folie encore. Hein. La grosse analyse qui passe, le combiné qui passe, le safe qui passe. Oula! Avant, je faisais des combis nuls, moi. Oula, les gars, il y a tout qui passe.
passe avec Logiciel Bête. Le mec, c'est passe-partout. Il est incroyable. Quand je vous dis que c'est un vrai passionné, il y a des pronostiqueurs, c'est des poissonniers. Voilà les gars, un vrai passionné. Quand Logiciel Bête vous sort un pari, dites-vous que c'est 4 heures de boulot avant ça les gars. 4 heures d'analyse, il est trop fort les gars, ajoutez-le. Coucou mes petits crumbles, vous êtes nombreux à me demander. Non, on est nombreux à vouloir te baiser, c'est tout. Alors montre tes grosses fesses en story et ferme-la, grosse f***. Les amis, on est au péage, c'est les 24 heures du Mans. Regardez, pourquoi tout le monde accélère comme ça les gars? Voilà, c'est parti! Voilà, c'est Monte Carlo, les gars! La vie de ma mère! Je sais pas ce qu'on a, nous, les mecs, au péage. Regardez, c'est la course! Voilà! On se regarde tous dans les yeux, on regarde de travers comme ça. Voilà! La vie de ma mère! On croit trop, c'est le Grand Prix! Voilà! Ah, la défense de l'OM, c'est une autoroute sans péage. La vie de ma mère! Ah, la... Oui, les amis, dans les voitures de Chouin, je vous parle souvent de la Fiat 500. Il y a un autre modèle qui est en concurrence. Voilà! La Suzuki Swift. Celle-là, les gars. La vie de ma mère. C'est plus la Suzuki, c'est la Suskiki. Ah, direct, frère. Hein. Voilà. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Tu fais ce que tu veux avec tes neveux. Je fais ce que... je fais... J'en ai baisé des meufs. Hein. Des tonnes et des tonnes. Et voilà que c'est un rôle de vampire. Ils vont pas tourner Dracula bientôt, les gars. Voilà, je postule. J'ai toutes mes chances de gagner. Oula les gars. Et wow. Bonjour, je m'appelle Inès. Si t'as des espèces, j'écarte mes fesses. Les gars, il y a les voitures de Chouin, mais il y a les voitures de Fibien aussi. La Peugeot 208. Toutes les meufs qui ont ça, c'est des Fibien. C'est des meufs, tu vois, qui... Oula, elles bossent. Elles sont là, elles se font respecter. Elles cherchent pas à taper dans l'œil. Voiture sobre, modeste, il n'y a rien à dire. Après, t'as les meufs qui sont Twingo. Ça, c'est des meufs qui sont vierges. Mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Personne ne veut les baiser. C'est pas genre, elles se préservent. Rien à voir. Après, la 206, c'est la 200 sus. La vie de ma mère. Ça suce dedans. La voiture préférée des rancards, le soir. Oh là, les gars. Nocturne. On a tous fait l'amour à une meuf dans une 206. La vie de ma mère, tu vois une meuf en 206, tu sais que c'est une 200 sus. Elle a sucé 200 mecs dedans. La vie de ma mère. Tu y vas, tu retrouves les... La vie de ma mère. Tu t'assois sur le côté passager. La veille, il y a un mec qui a posé son cul tout nu. Là, il y a encore sa transpiration et de la buée dans les fenêtres, comme dans la scène du Titanic. Non, les gars, non. C'est pas sérieux, les gars. Et ça, c'est le genre de meuf que tu lui dis, hey, on va à l'hôtel. L'hôtel, ça va pas, je suis pas comme ça. Et le lendemain, tu la baisses dans une voiture. Elle préfère baiser dans une bagnole, pas d'assurance.